Félicitations pour votre excellent film Le Sable, enquête sur une disparition, que le Festival du Film Vert a choisi comme film commun et qui sera donc projeté dans les 30 villes participantes, et qui a reçu le prix Greenpeace Suisse du documentaire 2014. Alors, première question. C'est un sujet nouveau dont nous n'avons entendu parler jusqu'à présent dans aucun des films projetés dans le cadre de notre festival. D'où vous est venue l'idée de mener cette enquête? C'est l'idée à l'origine de Denis Delestrac, le réalisateur, qui est un réalisateur français qui vit à Barcelone. Et Barcelone est au bord de la mer. Et il sortait d'un film assez compliqué à faire, qui lui avait pris énormément de temps. Et de retour à Barcelone, décide d'emmener sa famille un week-end au bord de la mer. Il a l'habitude d'aller sur une énorme plage qui fait à peu près 40 mètres de largeur. Et il est allé en plein mois de décembre, et quand il est arrivé là-bas, il ne faisait plus que 4 mètres de largeur. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait des digues qui avaient été construites à côté, et que le sable, manifestement, disparaissait de sa plage. Et il s'est posé des questions, disant, mais pourquoi ce sable n'est-il plus là? Et puis de fil en aiguille, mais au fait, d'où vient le sable? Et d'où vient le sable, à quoi sert le sable? Et il a commencé à travailler une très très longue enquête sur Internet, très très simplement, et s'est rendu compte de tous ces phénomènes mondiaux, impressionnants et étonnants sur l'exploitation du sable à outrance sur toute la planète et de cette conséquence extrêmement grave et qui commence à être de plus en plus voyante et problématique, qui est la disparition du sable sur les plages. Mais le problème semble affreusement complexe. Du remplissage de nouveaux territoires à Singapour jusqu'aux constructions de bâtiments qui resteront vides à cause de la spéculation, en passant par les constructions de routes et autres infrastructures utiles, les solutions doivent être cherchées dans des directions multiples. Pensez-vous qu'il y aura une réaction avant que les dernières plages aient disparu? Forcément, inéluctablement, il y aura une réaction. Il y a quelques pays qui ont déjà commencé à réagir de manière différente. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a de plus en plus d'habitants qui vivent au bord de la mer sur toute la planète. Les plus grandes villes au monde sont souvent au bord de la mer. Et des augmentations de population fait que, inéluctablement, quand ils vont se rendre compte, ils s'en rendent compte déjà dans certains lieux, que la côte est grignotée par la disparition du sable, grignotée par la mer à cause de la disparition du sable, où les plages n'ont plus leur rôle de protection. Inéluctablement, les autorités vont prendre, si je puis dire, ce problème à bras-le-corps. D'autre part, c'est d'autant plus important dans les pays du tiers-monde, mais ça l'est aussi pour nous en Occident, au-delà du fait qu'on habite de plus en plus aussi, nous aussi, au bord de la mer. Il y a quelque chose qui est très important pour nous, c'est que la plage est quand même un lieu émotionnel extrêmement fort. On a tous des souvenirs d'enfance au bord de la mer. On emmène nos enfants au bord de la mer pour construire eux aussi des émotions et des souvenirs. Et le fait que ces plages puissent disparaître provoque quand même des réactions émotionnelles très très fortes. Et en ce sens, je pense que les populations, les citoyens, inéluctablement, et on le voit en France par exemple de plus en plus, commencent véritablement à alerter les autorités locales en disant « mais que fait-on et que doit-on faire ?» Est-ce qu'il ne serait pas possible d'utiliser d'autres matériaux pour la construction, comme par exemple de la roche qui serait broyée, ou d'autres choses? De la roche, on en a plein dans montagnes. La vraie problématique, c'est qu'aujourd'hui, il y a une augmentation de la population dans le monde entier qui est extrêmement importante, avec des pays qui se développent de plus en plus et de mieux en mieux, avec des élévations du niveau de vie, et ces populations désirent tout à fait légitimement avoir un toit dans un appartement ou une maison. Et aujourd'hui, le moyen, on le voit dans le film, le plus simple pour faire de la construction, c'est du ciment, du béton armé, dans lequel on met 2/3 de sable. Donc il y a un besoin extrêmement croissant de sable et de granulats, parce que le sable fait partie d'une famille de granulats. C'est une affaire de dimension, en fait. Et le problème, c'est que on a déjà énormément attaqué les montagnes à travers les carrières. On a attaqué les rivières. Et qu'aujourd'hui, les grands groupes industriels, les grands cimentiers, très naturellement, se disent « il faut répondre à cette demande, prenons le sable où il est, et on le prend au fond des mers ». Le vrai problème par rapport à ça, c'est qu'on a envie de dire « construisons avec autre chose, construisons avec de la paille, avec du bambou, etc. »
ou du bois. Mais tout ça est extrêmement sympathique et écologique et est une belle idée. Mais on ne peut pas les construire dans des quantités suffisantes pour pouvoir répondre à la demande de toit et d'immobilier. Et d'autre part, cela coûte extrêmement cher. Et le sable, il est là. Il est gratuit. Donc on le fait. Après, il y a des solutions qui peuvent être le recyclage. Et ça devient très intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on détruit des immeubles, on reconstruit des routes, des ponts. On ne recycle pas. Et donc là, il y a des éléments de recyclage qui peuvent être extrêmement intéressants. Le Danemark a commencé. Ils ont commencé à taxer de manière extrêmement importante l'extraction de sable, et de manière suffisamment importante pour que les industriels, les entrepreneurs, les constructeurs se disent « ça devient trop cher de prendre une matière première disponible là, donc on va recycler ». Et aujourd'hui, depuis quelques années, très peu d'années, 95% des nouvelles constructions au Danemark sont faites à partir de matériaux de recyclage. Et pourquoi est-ce que le recyclage du béton lors de la destruction de bâtiments ou lors de l'entretien de route n'est pas systématique? Est-ce qu'il faudrait augmenter le prix du sable? Chez nous, la tonne de sable est environ à 34 francs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour encourager ces recyclages? Le recyclage, c'est les besoins industriels qui sont quand même forts. Ça coûte de l'argent. L'extraction du sable, elle aussi, coûte de l'argent. Il faut le prendre, il faut le transporter. Quand on le prend au fond de la mer, il faut le nettoyer. Ça, c'est un autre problème écologique qu'on ne voit pas dans le film. Oui. C'est que le sable que vous prenez au fond des mers, il faut le nettoyer avec de l'eau. De l'eau pure. Donc, évidemment, on se retrouve confronté avec un nouveau problème de surconsommation d'eau. Néanmoins, le sable, il est là. Il est gratuit en lui-même, la matière première est gratuite. C'est comme le pétrole finalement, le pétrole est là, il est gratuit. Bon, il faut le forer, l'extraire, le transporter, et ça devient un prix au litre dans nos voitures qui est quand même assez élevé. C'est normal. En Suisse, des personnes qui ont déjà vu ce film ont réagi en disant « on n'est pas concerné, on n'a pas de plage ». Chez nous, vous le savez peut-être, le sable est principalement dragué dans les lacs. Par exemple, les alluvions du Rhône à l'embouchure dans le lac Léman. Il paraît que ça évite que le lac soit comblé. Est-ce que vous pensez que c'est une solution moins mauvaise que la destruction des plages? J'imagine. Je ne connais pas très très bien honnêtement la problématique des lacs. Ce que l'on sait en revanche, c'est que, et on le voit dans le film, c'est que le sable qui arrive sur les plages vient des montagnes. Et passe un moment par les rivières et par les lacs eux-mêmes. Quand ils doivent traverser les lacs. Donc, j'ai envie de dire, en Suisse, ce n'est pas un problème pour vous aujourd'hui, mais ce que vous faites en Suisse, le devient pour nous, puisque nous sommes derrière et que nous en subissons les conséquences. Et en France, pour parler de la France très particulièrement, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des problèmes de lignes côtières, pour des raisons différentes les unes des autres, mais de Dunkerque jusqu'à Nice. Et puis, d'une certaine manière, indirectement, j'imagine que ça doit toucher un peu les Suisses. Vous devez, à un moment ou à un autre, passer des vacances en France. Forcément. Est-ce que la diffusion de votre film a entraîné des réactions, par exemple, dans les milieux politiques ou au niveau d'associations? J'ai eu l'opportunité d'être... on m'a convié pour animer un débat, une conférence, à l'Assemblée nationale, devant une... Ils étaient une quarantaine de députés, députés donc de lieux vivant au bord de la mer, se rendant compte qu'il y avait, eux-mêmes avaient des problèmes, mais n'en connaissaient pas exactement les tenants et les aboutissants, et pour eux le film a été un véritable éclairage. Et donc j'ai participé à cette conférence avec des géologues, et on s'est rendu compte que, pour parler encore une fois de la France, c'est que... l'organisation, si je puis dire, ou la gestion industrielle économique du sable au bord des mers est gérée par ce qu'on appelle le code minier, qui a plus d'un siècle et qui est absolument obsolète et qu'il faut totalement repenser la manière dont on doit donner les autorisations d'extraction du sable et la manière dont on doit le faire. Ça, c'est la première conséquence qui a eu lieu directement en France. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Europe, la France... voilà, un peu parfois dans certains domaines, un peu le leadership, surtout sur ce domaine-là. Et je pense que ça peut avoir une influence européenne. Par exemple, l'Italie, il n'y a aucune loi.
C'est une anarchie totale, tout le monde fait ce qu'il veut et il y a des problèmes absolument gigantesques. La deuxième conséquence, c'est que, effectivement, on le voit dans le film, c'est qu'en Inde, l'extraction du sable a pris des proportions absolument gigantesques, c'est l'anarchie, les sables, les plages disparaissent, il y a une mafia absolument démentielle, on le voit. Et il y a la Soumera, cette indienne que l'on voit dans le film, lutte depuis de très nombreuses années pour alerter les autorités en disant qu'il faut absolument faire quelque chose. Elle a présenté le film à certaines assemblées nationales en Inde. Ça a énormément secoué, énormément remué de choses. Ça a mis les autorités indiennes, on va dire, dans une certaine difficulté parce qu'on se rend compte qu'il y a, c'est une image pour eux qui n'est quand même pas très favorable puisqu'on parle de corruption, etc. Et qu'il y a quelques semaines, quelques mois, l'Inde a proposé à l'ONU d'inscrire le sable dans une liste sur laquelle il y aurait des études et des réflexions pour éventuellement faire passer le sable comme une denrée ou une matière à préserver dans le monde. Alors ça va prendre des années, parce qu'à l'ONU, évidemment, il y a 149 pays qu'il faut mettre d'accord. C'est une émanation, on va dire, environnementaliste hein, de l'ONU. Ça va prendre des années, mais si le sable rentre dans les critères de protection, alors on pourra assister peut-être à une transformation des mentalités, des obligations légales dans le monde entier par rapport au sable. Voilà.